Comment se passe ton nouveau boulot? Oh, tu ne vas pas me croire, Fabi. Mon nouveau patron est amoureux de moi. Non, si. Ah bon? Comment? C'est vraiment impressionnant, hein? D'ailleurs, attends. Baby, s'il te plaît, il faut qu'on fasse un peu de rangement dans cette maison. Un peu de rangement? Oui, et un peu trop de choses. Je t'ai dit que je suis occupée. Je ne peux plus attendre. Cela fait 2 jours que j'attends. Je te rappelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? César. Waouh. Fais de toi ma princesse. Seulement. Mieux. Ma reine. Et quoi d'autre? T'aimer toute ma vie. Mais encore. Dans notre suite royale, ma reine. Entrez. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, Bosco. Détends-toi et assieds-toi. Alors, le boulot a bien démarré? Très bien, monsieur. Je m'imprègne de mieux en mieux au fur et à mesure. Ça devrait aller. C'est rien de bien compliqué. À la moindre difficulté, n'hésite pas à demander conseil. D'accord? C'est bien noté, patron. Bien. Parlons à présent de Mira. Si tu veux bien, j'espère que ça ne te dérange pas. Non. Ça ne me dérange pas du tout. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur elle. Je trouve que vous lui avez donné une très bonne éducation. Merci. C'est vrai que Pauline n'a jamais été douce avec les filles. Elle avait toujours une nouvelle manœuvre visant à les apprendre à mieux se tenir. Cela n'a pourtant pas endurci Mira. Elle est si tendre et très maternelle. En tant qu'aînée, elle devait prendre soin de sa petite sœur. Bosco. Oui, patron. J'ai plus d'amour pour Mira. Il me semble qu'elle vous apprécie bien. La dernière fois, vous pouvez le remarquer. Ah bon? C'est vrai. Bosco.
M'apprécier est une chose. Et m'aimer en est une autre. Mais maman, nous n'avions pas rendez-vous. C'est vrai. Juste qu'en pensant à ton travail et à toi, j'ai voulu te rencontrer. Et moi qui ai cru que tu es passé au sujet des préparatifs du voyage. Pas de souci à ce propos. Tu parlais de mon travail. J'avoue être perturbée depuis mon dernier passage à ce bureau. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je voudrais savoir si tu n'as pas trouvé assez précoce d'être impliquée dans la gestion des opérations financières de cette entreprise. J'avoue que j'ai été inquiète dès le départ, mais Beaugrand n'est pas très loin. Facile à dire. Et puis je suis un peu mal d'être réduite à la mère pour qu'on résout un ou deux problèmes de temps à autre. J'avais pas imaginé que tu puisses me mettre à l'écart à des moments aussi importants de ta vie. Mais où vas-tu chercher ça, maman? Tu sais très bien que... Imagine-toi ayant eu un souci dans la gestion de tout cet argent sans que j'aie pu te venir en aide. Simplement par ignorance de la vérité. Je l'avoue, maman. Tout est allé si vite. Je croyais être ta confidente, ton bouclier. Au moment où ton père s'apprête à voyager, je me sens seule. Ne dis pas de bêtises. Je suis là, maman. Tu as une drôle de façon de me le témoigner. Tiens-toi tranquille, je te promets. Dès que papa et Beaugrand seront partis, nous prendrons le temps d'en parler. Promis. On sera toutes seules. Tu ne vois pas. J'aime pas l'idée d'être après toi, tout le temps à te demander de l'argent. D'ailleurs, maintenant que tu as autant d'argent, tu devrais déjà envisager de m'offrir une ligne de crédit. Maman, la comptabilité est rigoureuse. Je n'ai pas assez de facilité comme tu sembles l'imaginer. C'est bien ce que je pensais. Tu veux dire que tu ne prends aucune disposition sécuritaire? Comment ça? Écoute, on n'en parle pas dans ces murs. Et puis, comme convenu dans l'intimité, on s'en occupe dès que nos hommes seront partis. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je te laisse travailler. Je t'aime, ma fille. Je suis heureuse de te voir aussi bien habillée, tonton. Tu sais que j'ai toujours aimé être élégant. Mais pour l'être tout le temps, il faut avoir les moyens de sa politique. C'est vrai. Je te sers de l'eau à boire? Non, merci. Toi, tu ne déroges jamais aux bonnes habitudes. C'est la moindre des choses, tonton. Tu sais, Mira, j'ai la conviction qu'un moment viendra où tu me proposeras que les liqueurs quand je viendrai te rendre visite. Que le ciel t'entende. Je suis ton oncle, tu sais. Et je t'ai vu grandir. Je le ressens, c'est tout. Alors dis-moi, tonton, ton nouveau boulot. Ma chérie, il y a encore ici-bas des hommes bons. Ah bon? D'ailleurs, je ne t'apprends rien. Tu te souviens que tout a démarré devant toi. Ce monsieur Tombel est d'un grand cœur inqualifiable. Oui, il m'a moi-même surprise. Je ne parle pas du jour où il m'a offert cet emploi. Non. Tu sais, je suis un peu rouillé et je... Quoi, tonton? J'ai commis une erreur grave en confondant le courrier des prestataires. Et là n'est pas le pire. Il se trouve qu'en le faisant,
J'ai divulgué les secrets d'entreprise. Non. Le retour de ma bêtise a fait grand écho en entreprise. Alors que je me croyais déjà hors de l'entreprise, Monsieur Tombel m'a sauvé. Et tu sais comment? Dis-moi. Devant le responsable des ressources humaines et le directeur de la logistique, il m'a posé une seule question. Laquelle? Monsieur, en quoi est-ce que vous pensez après une faute comme celle-là? Demeurez-vous utile pour cette entreprise? Et qu'est-ce que tu as répondu, tonton? Je me suis souvenu qu'il avait dit qu'il aimait la vérité. Et j'ai tout simplement dit, ma faute est grave. Et pour la taille de cette entreprise, mon départ devrait servir de leçon pour moi et pour tous ceux qui travaillent ici. Hé, hey, tonton, il fallait te défendre. Trouver autre chose dans le sens de t'améliorer. Je reconnaissais avoir déconné, tu sais. Et je me suis dit, autant partir en toute dignité. Et la suite alors, tonton? Mais alors que le DRH et le directeur de la logistique entérinaient mes propos, nous avons été tous pris au dépourvu par M. Tombel, qui a pris la parole et a posé une seule question aux autres. Laquelle? Vous serez-vous attendu à une telle réponse de sa part? Alors qu'ils hésitaient à répondre, il a conclu non. Des agents honnêtes et loyaux, nous en avons besoin dans l'entreprise. Puis, il s'est retourné vers moi. Monsieur, j'espère que j'entendrai parler de vous que positivement. J'ai répondu, oui monsieur. Et c'est ainsi que j'ai continué mon travail. Waouh! Tu as bien failli le perdre ce travail, tonton. Des hommes comme M. Tombel, on n'en trouve plus de nos jours. Plus la date de ton voyage se rapproche, plus je me sens triste. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas me manquer. Oui, mais ce n'est pas comme si j'allais y rester. Ce n'est qu'un voyage d'affaires. En plus, je ne serai absent que pendant 2 semaines. Apparemment, ça ne te met pas beaucoup de devoir me laisser. Fabi, arrête s'il te plaît. Évitons la mélancolie, d'accord? Courage, ma puce. Ça va passer très vite, tu verras. Et si ça se passait mal au boulot? Hé, arrête avec ça, ok? Je connais la femme que j'aime. Une femme brave, une femme de poigne, capable de gérer la Cultura's Company sans aucune crainte ni aucun complexe. Madame Cultura, c'est la meilleure, la femme qu'il nous faut, la seule capable de transformer nos rêves en réalité. La femme a plusieurs casquettes. Tu feras un très mauvais leader politique. De toute façon, je voulais juste t'égayer un peu. Merci, ça va aller, je crois. C'est vrai que je suis quelque peu inquiète, mais c'est juste lié à ton absence et tout. Au téléphone, je serai à ta disposition à tout moment, ma chérie. Si tu as un souci de n'importe quel ordre, interpelle-moi de jour comme de nuit. Je sais. Tu sais, je n'ai aucune crainte, aucun doute. Tu as suffisamment fait tes preuves et bien au-delà de ce que j'espérais d'ailleurs. Si un conseil que je puis te donner en plus, c'est d'anticiper surtout. Ceci donnera un temps de te rattraper en cas d'un petit souci. D'accord, merci, c'est une bonne astuce. Ça, c'est le plus de l'expérience sur le terrain. Vantard. Ça sent bon. Oui, on mange très léger ce soir. Une salade et du poisson poêlé avec du ketchup accompagné de frites de pommes de terre. D'accord, chef. Ça me va très bien. Dans ce cas, va te laver les mains pendant que je nous sers. Ma chérie, j'étais chez tonton Jean tout à l'heure et devine la bonne nouvelle que j'ai apprise. Quoi? Bosco a trouvé un emploi. Tu imagines? Oui, je le sais. Ah bon? Comment?
Il me l'a appris lui-même. Il était ici aujourd'hui. Ah, sacré Bosco. Cela me fait grand plaisir, tu sais. Je suis vraiment heureux pour lui. C'est ce qu'il méritait après tout. C'est quelqu'un de bien et de déterminé. Il a cherché longtemps. Raison de plus pour comprendre que tu as intérêt à prendre le tien très au sérieux, madame. Allez, va te laver les mains. Me voilà donc à Paris. Ces manières. Vous ne pouvez pas vous habiller convenablement? Thomas! Thomas, réveille-toi! Répondez au moins quand on vous dit bonjour. S'il te plaît, réveille-toi, Thomas! Thomas, réveille-toi! Pauline? Aïe! Ma main. Qu'est-ce que tu as? Ça brûle. Fais voir. Oh mon Dieu, tu t'es brûlé. Ça va se calmer. Tu m'as fait une de ces peurs. Oui, j'imagine. Je suis désolé. C'est curieux. Je ne me souviens pas t'avoir eu fait une crise pareille. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Tu ne vas pas au boulot? Ça va? J'espère que tu n'es pas souffrante, hein? Pas vraiment. Mais c'est pas tout à fait la grande forme. Je crois que je ne vais pas y aller aujourd'hui. Mais Mira, c'est quoi ces manières? Tu ne travailles que depuis quelques jours. Je n'ai pas la forme. Je n'ai plus rien. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ma chérie. Le travail est un engagement qui se respecte. Tu n'étais pas obligée de l'accepter si tu ne voulais pas travailler. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas une paresseuse comme tu sembles vouloir l'insinuer. D'accord, prouve-le donc. Lève-toi de ton lit de princesse et va travailler. Au moins c'est pour l'honneur de ta mère qui se soucie tant pour toi. Bonne journée, ma puce.
Allô, patron. Oui, Karine, ça va? Tout va bien à la maison? Ça va, patron. Est-ce que Mireille est là? Non, patron, pas encore. D'accord. Si jamais elle arrivait, fais-moi signe, ok? J'ai compris, patron. Quelle belle surprise. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi-même? Oh, ça va. Dis-moi, tu es sûre que ça va? C'est juste que je suis un peu fatiguée. Mira, peut-être que je n'ai pas d'enfant biologique. Non seulement je ne manque pas d'instinct maternel, mais je vous connais, ta sœur et toi, comme si je vous avais faite. Je sais que tu as un souci. Tu as raison. Je me sens complètement perdue ces jours-ci. J'ai comme l'impression que personne ne me comprend. Écoute, je nous sers un bon petit café et tu me racontes tout ça. D'accord? D'accord, tata. Je comprends que tu sois remonté contre moi. Mais je me demande si tu te rends compte de le fait que tu me fais. Crois-moi, je suis sincèrement désolé de t'avoir contrarié. La vérité, c'est que tu me fais perdre mes moyens. Je n'aurais pas dû t'embrasser. Je te prie de me pardonner. Excellente journée. J'ai été très bousculé ces jours-ci. J'espère que tu trouveras du temps pour passer chez moi. J'ai vraiment assez de bricoles à dépanner. Mais pourquoi ton mari, lui, il ne fait aucun effort dans ce sens? Lui, il est toujours parti. Je ne t'apprends rien sur l'armée et son règlement strict qui ne fait aucun cas de la vie maritale de ses soldats. Ok, je vais m'y efforcer. Demain, je trouverai bien un moment. Je préfère que tu viennes en matinée. Merci d'avance. Je t'attendrai, hein? D'accord. À demain, madame. Les femmes. Comme ça, c'est moi qui dois m'exposer à une balle perdue. Je t'ai tout donné par amour. Mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or,
Tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Bêtises. Il y a toujours un temps pour tout. Et il y aura toujours une fin à tout. Et il y aura toujours...